La plupart des liquides diminuent de volume lorsqu'on les refroidit. Ce n'est pas le cas de l'eau, qui augmente de volume lorsqu'elle gèle. Son volume augmente alors d'environ 9%. Si tu as un tiers de litre d'eau et que cette eau gèle, quel volume de glace vas-tu obtenir? Exprime ta réponse sous la forme d'une fraction. Tu commences avec un tiers de litre d'eau. Et une fois que cette eau est gelée, ce qu'on sait, c'est qu'elle va prendre 9% de plus de volume. Donc le volume total que tu vas avoir, le volume total de glace que tu vas obtenir, va être égal au volume que tu avais au tout début, donc un tiers de litre. Là, c'est ce que tu avais au début, le volume du début, plus 9% de ce volume initial. Donc 9% de 1 tiers. 9% fois 1 tiers. Ce qu'on pourrait faire pour calculer cette expression-là, c'est écrire 9% sous la forme d'un nombre décimal. Mais ici, on te demande la réponse sous la forme d'une fraction. Donc on va transformer 9%, qui est la seule chose qui n'est pas une fraction dans cette expression, en fraction. On va écrire cela. Alors le volume total, c'est égal à 1 tiers plus 9% en fraction, ça donne quoi? Ça donne 9 sur 100. C'est littéralement ce que ça veut dire, 9%, multiplié par 1 tiers. Avant de faire le calcul, on va pouvoir simplifier un petit peu cette partie-là de l'expression. Parce que regarde, 9 c'est divisible par 3, et 3 c'est aussi divisible par 3. Si je divise 9 par 3, je trouve combien? Je trouve 3, et si je divise 3 par 3, je trouve 1. Donc cette expression-là, on peut l'écrire autrement. C'est égal à 1 tiers plus 3 sur 100 multiplié par 1 sur 1. Et ça, on peut le calculer, c'est égal à 1 tiers plus 3 centièmes. Parce que multiplier une fraction par 1 sur 1, c'est la même chose que la multiplier par 1. Donc je trouve ici 3 centièmes. Pour avoir le volume total, je n'ai plus qu'à additionner ces deux fractions. Mais attention, ce sont deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc il va falloir déjà les mettre au même dénominateur. On va faire un petit peu de place ici. Je vais effacer cette partie-là dont on n'a plus besoin maintenant qu'on a fait le calcul. Et je veux mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc pour cela, il faut trouver le PPCM, le plus petit commun multiple de 3. Et de 100. 3 et 100 n'ont pas de facteurs en commun, donc le plus petit multiple commun de 3 et de 100, ça va être le produit de 3 et de 100, c'est-à-dire 300. Donc on va mettre ces deux fractions-là au même dénominateur. Donc le volume total, je vais réécrire l'équation ici, le volume total, c'est égal à 1 tiers plus 3 centièmes. Et on va mettre ces deux fractions. Je vais juste réécrire la deuxième fraction dans une autre couleur, donc 3 centièmes, et on va mettre ces deux fractions sur 300. Donc la première fraction sur 300 plus la deuxième fraction sur 300. Comment est-ce que je fais pour passer de 3 à 300? C'est bien ça, je multiplie 3 par 100 pour obtenir 300. Donc, pour trouver la fraction équivalente, il faut que je multiplie le numérateur aussi par 100. 1 fois 100, ça fait combien? Ça fait 100, exactement. On va faire la même chose pour la deuxième fraction. Comment je fais pour passer de 100 à 300? C'est bien ça, je multiplie par 3. Donc, pour avoir une fraction équivalente, il faut aussi que je multiplie le numérateur par 3. Et 3 fois 3, ça fait combien? Ça fait 9. C'est bien ça. Maintenant, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. On peut les additionner. Et 100, donc le résultat va avoir déjà comme dénominateur 300. Et 100 plus 9, ça fait combien? C'est bien ça, ça fait 109. Je trouve 109 sur 300. Et on a le résultat, c'est le volume total de la glace qu'on va obtenir. Je trouverai 109 sur 300 litres de glace.